vous demander quelles sont les sources d'anxiété pour vous. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui vous remue? Qu'est-ce qui vous travaille? Je vais les noter. Les partiels. Alors, les examens, on va dire. Les parents. Je vous vois pas, je vous entends rien, donc c'est assez compliqué. Les deadlines. Le blocus. Biologie. Enseignants. L'avenir, ok. Révision. Le quoi? Réveil. Le révision. Les révisions. Les professeurs. Alors attendez, il faut que je les note tous. Les révisions, le boulot, les professeurs. Le boulot. Le loyer. Non mais c'est les profs, donc. Le loyer. L'administratif. Biologie. Vous êtes en administratif. J'imagine. Tu vas voir après être étudiant, c'est encore pire. La biologie. La séduction. La sélection. La biologie, j'ai entendu. Oui, la biologie. Le cours de biologie. J'ai fait 7 ans de biologie, j'en ai marre. La bouffe, comme j'ai entendu. Oui, la bouffe. La bouffe. Ah, l'argent, les réformes. Ça prend jour. Bon emploi. En tant qu'étudiant, Pôle emploi, oui. Ah oui. Par rapport au petit job, c'est ça le... Non. Les jobs d'été. Les concours. Job d'été et boulot, on peut mettre ça ensemble. Hein. Ouais. Boulot, on fait un paquet. Le VPE. Le DPE. Le DPE. VPE. DPE. VPE. Ah, VPE. C'est quoi? C'est la valorisation par... Par expérience. Par expérience, ouais. C'est ça? C'est quoi VPE? Jerry. C'est toi? Putain. Parle bien. De ok? Tu parles bien maintenant. Vice-président. Ah, vice-président étudiant. Merde. Attention, on est très joueurs. Hein. Les dossiers master. Ça fait partie de l'administratif? Non? C'est encore autre chose? Le vomi? C'est ça qu'elle a dit? C'est ça? Bon, le vomi. Le mémoire. Réfléchir? Ça bloque les études de réfléchir. La fuite. Les camarades de classe. Source d'angoisse. Les camarades. C'est quoi, Rémi? Le bonheur. Le bonheur. Les transports. Les transports. Interruption. Interruption. Tram B. Vous entendez? Interruption de quoi? Tram. Le tram B. Bon, mais là, IVG, on a déjà vu. Interruption volontaire à la gare. Transport, en règle générale, on n'est pas obligé d'aller sur la banque, on l'a. L'argent, on prend des coups. L'argent, mais on va mettre la banque. J'avoue. Mais j'adore parce que c'est dit comme source d'angoisse, mais c'est dit avec tellement de... L'amour. C'est d'angoisse, mais c'est une angoisse tellement délicieuse. L'amour. Et c'est pas l'amour, c'est l'amour. Bon voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein, de, si vous en avez un dernier, quelque chose vraiment ça vous pèse. Et vous dites, non, ça n'a pas été dit, il faut absolument que je vous dise. Et c'est L'éducation nationale. Bonjour, éducation nationale, vous avez votre carte d'étudiant? Vous avez votre carte d'étudiant? On va le mettre là. Anglais. L'anglais? Mais tu peux expliquer? Ah, c'est ce que tu veux. On va mettre les langues, ok? Hop, les langues. D'accord, alors je vous explique un petit peu le concept. C'est qu'on va imaginer que tous ces troubles anxieux... Je crois que quelqu'un m'a relancé le... Ouais, ah, ouais. Je crois que je vais rattraper. On va imaginer que tous ces troubles anxieux viennent perturber un étudiant qui doit passer un oral. D'accord? Il doit passer un oral. Et pour cet oral, je vais vous demander
mais vraiment un sujet extrêmement simple, parce qu'on va imaginer que lui qui a fait une année d'AES et qui s'est arrêté assez vite, eh ben, est totalement pas culte. Hein, totalement pas culte. J'ai adoré, mais quand j'ai relu, j'arrive pas à m'en lire, donc je pouvais pas. Donc on va imaginer un sujet très simple. Je vais vous citer un sujet, par exemple, très simple, c'est comment arriver à reboucher un stylo. Ça, c'est un sujet très simple. Hein. Donc on va imaginer que vous allez me donner un sujet extrêmement simple de cette académie. Et on va imaginer une science extrêmement... mais vraiment très, enfin, une matière très scientifique dans laquelle il faut... Présentation d'une thèse sur le sujet. Donc un truc vraiment basique. Alors, oui ? Comment nourrir un chat ? Comment nourrir un chat ? Hein, je pense que c'est pas mal. On va c'est prendre comment nourrir un chat. Est-ce qu'il y a une proposition encore plus brillante que nourrir un chat ? Comment enfiler une pantoufle ? Je laisse au thésard, monsieur, vous avez le choix entre les deux thèmes suivants. Nourrir un chat. C'est trop grave si je parle d'enfiler mon pantoufle. Mais pourquoi enfiler un chat ? Quand j'ai plutôt envie. Non, j'ai plutôt... Je vais garder comment donner à manger une pantoufle. Bien, bien. Oh non, non, je laisse vraiment la liberté. Non, je vais donner à manger un chat. Et donc, on va imaginer comment donner à manger un chat. C'est le sujet de cet étudiant. Comment s'appelle-t-il ? Comment on s'appelle ? On va laisser le public choisir. Comment s'appelle ? Thomas. Thomas. Hein ? Oui, oui. 4 ans de travail. Soutien de thèse. Comment nourrir un chat ? Je vais faire une entrée quand même. Mesdames et messieurs, à 5, 4, 2, 1, 1 pro, nous aurons l'entrée de l'étudiant Thomas qui va nous expliquer. On est dans quel type de matière ? Biologie. En sciences animalières. Sciences animalières. Oui, c'est une nouvelle chaire qui vient d'être créée à l'Université de Bordeaux. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, intro. Bonjour. Je m'assois, j'ai peur. Vous ne posez pas de questions ? Vous avez 20 minutes. Ah, donc, j'ai mes papiers. Je veux présenter ma thèse sur, que j'ai intitulée « Minou, ta nourriture ». Tu es notre seul fils, tu es tout l'espoir que nous avons. Tu sais que papa et moi, on est là auprès de toi, on te regarde, on est là, on te protège. Tu es mon tout petit, mon petit garçon, je t'ai allaité pendant 5 ans. Je suis là, je te protège, mon garçon, mon chéri. Était à l'écoute de ce que l'animal ressent, c'est important. Alors, j'ai élaboré une technique pour savoir s'il a faim. Oh, je peux payer mon loyer. J'ai oublié de payer mon loyer. Oui, alors vous êtes en retard, hein. Ça fait déjà 2 mois que vous auriez dû me payer. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est pas grand chose, 592 €. Mais j'ai décidé d'augmenter, puisque vous pourriez aussi monter les courses, vous êtes gentil. Une concierge, c'est important. Vous le présentez à une concierge, les concierges savent toujours si le chat a faim ou pas. Voilà. Alors c'est. Oui, bonjour Thomas, ici la banque. Je vous rappelle que vous avez un découvert de 2,50 €. 2,50 €. Peut-être que vous voulez qu'on passe un virement du livret A sur le rang courant. Je vous rappelle que sur votre livret A, vous avez 1,250 €. Peut-être que vous verrez bien. Oui, ça coûte cher de nourrir un chat. Il faut y penser. Et il faut donc organiser. J'ai fait ma 4e partie sur l'organisation financière du coût d'un chat. D'en avoir un chat, surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas de thunes. Donc j'ai fait aussi un autre. J'avais pensé à... Non, ça va. Elle est en train de regarder sur Instagram, c'est sûr. Elle est en train de regarder. 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 Elle est en train de regar
Paris. Les gens, ils te regardent, ils se disent que t'es Sarkozy. Oh là là, mon Dieu, pourvu que Sarkozy ne revienne surtout pas. Pourvu qu'il ne revienne pas. Est-ce que vous trouvez normal, madame, que un chat n'aurait pas d'amour, par exemple? Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Peut-être que je devrais faire en anglais. Peut-être qu'en anglais, ça passerait mieux, finalement. C'est vrai, je suis nulle en langue. Putain, j'aurais dû aller. Oh, la meuf, elle est à Berlin, 2 ans à Berlin. Mais comment elle a trop de la chance. Mais quelle idée aussi, en Allemagne, je suis nulle en Allemagne. Je vais peut-être essayer de faire une petite phrase de Kant. Kant, je crois qu'il a dit un truc sur les chats en allemand. Je vais y arriver. Kant, it's fine, it's great, it's calls about that, about cat, and is not the size of the cat. Oh, si jamais je dis n'importe quoi, je suis un gros chat. Il vient de noter un truc dans son. Je suis sûr qu'il est en train de dire que j'ai pas bossé, que j'ai rien foutu. Je sais que je connais mon sujet. C'est bien simple, je vais être prof dans l'éducation nationale, c'est quand même pas compliqué d'être prof dans l'éducation nationale. N'importe qui peut être prof dans l'éducation nationale. C'est quand même le boulot le plus merdique de la Terre. Je vais avoir une chaire de féminologie. Je serai champion du monde de féminologie. Je vais y arriver. Oh mon Dieu, j'ai envie de vomir. Excusez-moi, je crois que il y avait un poil de chat dans mon document, et je crois que je vais vomir. J'ai plus de quoi manger. Je vais venir à la quatrième partie, comment ramasser quand le chat a vomi. Alors prenez le premier tissu que vous trouvez à portée de main. Vous pouvez me prêter votre t-shirt, s'il vous plaît. Souviens-toi que ton grand-père a fait la même école que toi. Il y a une rue qui porte son nom aujourd'hui. Et toi, tu es une véritable loque humaine, tu ne fais rien de tes journées. Je vois bien que tu passes ta journée à consommer des produits psychotropes, que tu ne fais rien, que tu es en train de te liquéfier sur ta chaise. Mais enfin, mon chéri, pense à la rue qui porte le nom de ton grand-père qui était si fier de toi quand tu es né. Il est allé à la maternité et toi, tu es en train de devenir n'importe quoi. J'ai pas rempli mes dossiers administratifs. Mince. Comment je vais devenir? Mon Dieu, faut que je réfléchisse. Si je veux y arriver, terminer mon mémoire. Mon mémoire, je sais que tout repose sur mon mémoire. Je vais y arriver. Mon Dieu, les dossiers du master, je les ai pas encore préparés. Ah, et puis ce connard de VPE, tu n'arrives pas à me courir après parce que je t'investisse plus dans les opérations que dans l'université. Et les camarades qui sont juste là à se marrer, à se foutre de moi, je suis sûr qu'ils sont là. Ils veulent nuire à mon bonheur. Et moi, qu'est-ce que je veux, c'est le bonheur. Et pourquoi le club est toujours en retard? Pourquoi je n'arrive pas? Je ne vais pas pouvoir respecter ma deadline. Et ce que je veux, moi, c'est de me faire de la biologie. C'est ça ce qui m'intéressait. Mais pourquoi c'est tellement sélectif? C'est tellement sélectif. Si je vais terminer mon pôle emploi. Ça va. Que le chat va sauver le monde. C'était ma conclusion. Mais je suis sûr que grâce à l'amour. L'amour. Parce que c'est vrai, elle me regarde avec son petit turban. Mais si ça se trouve, elle prenait des photos de moi parce qu'elle me trouve super beau. Mais si ça se trouve, les copains qui sont là et le prof qui me regarde, il est fier de moi. Il est fier du travail que j'ai fait. Je suis un homme accompli. Je sais tout sur les chats. Je vais nourrir les chats. Je nourrirai les psychiatres. Je nourrirai tout le monde. Je vais servir l'humanité.